jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'était vraiment le modèle du retour sur investissement de l'industrie privée qui guidait, qui guide toujours d'ailleurs leurs priorités de recherche. Mais quand même, MSF et d'autres ont, dans un papier un papier de référence dans le début des années 2000 dans JAMA, a montré ce qu'on a appelé le fatal imbalance, donc le déséquilibre entre d'un côté 90% des besoins en nouveaux médicaments en innovation et de l'autre côté les 10% de ressources qui étaient consacrées à ces besoins. Donc un déséquilibre majeur entre les besoins d'un côté et les investissements en recherche de l'autre. On a refait ce travail début des années 2010 encore avec MSF pour regarder où on en était, puisque entre-temps, il y avait eu quand même des mouvements. DNDi qui a été créé, mais aussi d'autres PDP comme MMV. Il y a eu United qui a été mis en place, le Fonds mondial pour essayer de favoriser la distribution et la production de ces médicaments. Et quand on a fait le point en 2012, finalement, on avait 4% à peu près de médicaments vaccins qui étaient dédiés à la recherche pour les maladies négligées, large, incluant, disons, les maladies pour les pauvres. Mais quand même que 4%, donc c'était mieux, mais on est quand même très loin derrière ce qui est nécessaire. Et puis, petit à petit, on a eu, après la crise Ebola aussi, l'OMS qui a monté le R&D Blueprint qui détermine des priorités pour les pandémies. On a eu aussi les initiatives sur l'antibiorésistance. Donc, on voit qu'il y a quand même des mouvements un peu de priorité de santé globale qui commencent à monter, mais il y a toujours une tension avec le profit et la nécessité pour l'industrie pharmaceutique, le fait qu'elle n'est pas régulée et qu'elle fait ce qu'elle veut, c'est les lois du marché qui règnent. Mais il y a quand même maintenant des priorités, des mouvements et des organisations qui poussent. Et d'ailleurs, l'OMS a monté le R&D Observatory, que je recommande à tout le monde, qui est une source d'information énorme et qui montre exactement où on en est en termes d'innovation thérapeutique. La manière dont les PDP not-for-profit travaillent n'est pas la même que celle dont l'industrie travaille. Mais tout le monde définit ce qu'on appelle un target product profile, qui est pour moi le point essentiel qui va guider la recherche. C'est quoi un target product profile? C'est la liste des critères principaux et des caractéristiques principales qu'une innovation thérapeutique doit apporter pour répondre aux besoins, et pour répondre aux besoins d'une façon concrète, pour répondre aux besoins dans le cadre de son utilisation sur le terrain. Pour la pharma, c'est un peu différent parce que généralement, ils ont un produit et ils essaient de voir avec le TPP comment ce produit va répondre. Nous, ce qu'on fait et ce qu'on pense être bien, c'est de dire, OK, quel est le besoin pour cette maladie? Et ensuite, on y va. Alors, si on prend Covid, puisque c'est de l'actualité, on sait très bien que si on garde les monoclonaux ne vont pas répondre, s'ils sont donnés par perfusion, ils ne vont pas répondre aux besoins des pays à faible et moyenne ressource. Et donc, ceux qui travaillent sur le Covid en dehors strictement de la pharma comme nous et d'autres, on a développé, l'OMS aussi a développé un TPP qui dit, voilà. Pour le Covid, par exemple, pour les patients ambulatoires, on veut que les conditions, enfin l'efficacité, soit basée sur la prévention de la progression. Donc, on définit ce qu'on essaie d'obtenir. On définit des critères de sécurité d'emploi qui disent, par exemple, dans ce cas-là, on ne veut pas de suivi de prise de sang, on ne veut pas de monitoring parce que ça serait ridicule pour des patients ambulatoires qui ont un gros rhume. On veut déterminer un seuil de prix. Et ça, c'est hyper important, bien sûr, puisque si c'est le cas du molnupiravir ou d'autres qui sont à 700 dollars, ce n'est pas la peine, ça ne sera pas distribué. Donc, on met des conditions de prix, on met des conditions, alors c'est plus important, surtout peut-être pour MSF, des conditions d'utilisation, de conservation sur le terrain. C'est pareil, si ça doit être réfrigéré, ça pourrait être réfrigéré dans certains cas, mais ça ne pourra pas l'être pour des patients ambulatoires partout. Voilà, toutes ces conditions-là font partie de ce qu'on écrit dans un TPP. C'est valable pour toutes les maladies. Et c'est ça qui est important, agnostique
du produit thérapeutique qu'on va amener après dans la recherche. C'est plutôt l'inverse, c'est que c'est le TPP qui est le squelette de ce que doit, de ce que l'innovation doit apporter. C'est-à-dire que l'innovation doit se conformer au TPP et pas l'inverse. Mais bon, il faut avoir un reality check, c'est vraiment important. Et puis, il faut vraiment qu'on se mette à la place de ceux qui vont l'administrer. Il faut absolument qu'on garde en tête, bien sûr, les objectifs thérapeutiques et efficacité, mais aussi les conditions d'administration. Ensuite, c'est toute la chaîne de développement du médicament qui passe par le criblage, l'identification de molécules basées sur des potentiels mécanismes d'action qui sont eux-mêmes très compliqués parce qu'on n'a pas toujours des modèles. En fait, ce qu'on cherche, c'est trouver pour une maladie phénotypique, donc on sait chez l'homme à quoi ressemble la maladie, et on doit trouver dans le tube quelle est la cible qu'il faut chercher pour pouvoir tester qu'un médicament marche sur cette cible, laquelle cible est la réflexion ou la traduction de ce qui se passe chez l'homme. Admettons, on trouve une cible, donc on cherche un médicament qui va se fixer sur le parasite pour l'empêcher de rentrer dans la cellule, par exemple. Et une fois qu'on a fait ça, il faut vérifier que ce médicament, on peut le fabriquer sous une forme chimique, que mon collègue Steve a bien expliqué, c'est-à-dire que ça rentre dans une composition qui va rester la même, qui est stable, qui ne va pas, une fois qu'elle va rentrer dans le corps humain, être métabolisée et puis tout d'un coup donner des choses qui ne vont pas être ce qu'on veut, puisqu'il faut qu'on ait des concentrations qui restent pareilles. Et pour mesurer quelle efficacité on veut avoir et quels sont les taux plasmatiques, on passe souvent par des modèles animaux qui nous permettent de voir dans un organisme vivant comment le médicament comment il est métabolisé chez l'animal et quel est le taux le taux sanguin, par exemple, de ce médicament qu'on va avoir quand on donne telle dose. À partir de ça, on fait des traductions de ce que ça peut donner chez l'homme et on commence à tester le médicament chez l'homme. Vous pouvez imaginer que tout au long de ce travail, il y a beaucoup de pertes. Il y a beaucoup de médicaments, par exemple, qui ne sont pas absorbés. Donc, on les donne, on en donne des tonnes et des tonnes, mais il n'y a rien, ça ne rentre pas, ce n'est pas diffusé dans la circulation. Donc, ceux-là, ils ne vont pas pouvoir venir. Ou alors, il faut donner des doses énormes. Et chez l'animal, ce qu'on fait, c'est qu'on teste aussi énormément la sécurité d'emploi. C'est-à-dire qu'on essaie de voir avec le médicament qu'on va donner quels vont être les organes cibles, qui vont être les organes à la fois là où ça doit marcher, mais là aussi où ça pourrait être toxique. Donc, on donne des très fortes doses chez les animaux jusqu'à ce qu'on arrive à déterminer quels vont être les organes qui pourraient être les organes cibles de ce médicament. Et c'est forcément important parce que ça nous permet de savoir si on va pouvoir le donner avec une certaine sécurité. Et ensuite, à partir de ça, on fait des calculs et on commence à tester chez l'homme. Et quand on teste chez l'homme, on teste à des doses qui sont très, 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 très inférieures aux doses qui ont montré une certaine toxicité. On va même en dessous des doses qui ne donnent pas de toxicité. Et on commence très, très, très progressivement. Et là, ce qu'on fait, c'est déjà de voir si quand on administre le traitement au volontaire sain, donc c'est les phases 1, le médicament est absorbé, on regarde déjà sa pharmacocinétique. Donc, on regarde si nos calculs, nos prédictions avec telle dose, on obtient telle concentration, c'est valable. Et puis ensuite, très progressivement, on augmente. Et au fur et à mesure qu'on augmente jusqu'à atteindre ce qu'on appelle la dose maximale tolérée, ce qui veut donc dire que quand on cherche et quand on analyse des résultats de phase 1, il faut accepter de voir qu'on va avoir des effets secondaires, parce que c'est ça qu'on cherche, jusqu'à un niveau qui reste tolérable. Et à partir de là, on peut déduire et on vérifie qu'on a aussi les taux dont on a vu chez l'animal et dans les modèles in vitro, que ce sont des taux thérapeutiques. Donc, on sait qu'on doit avoir une certaine concentration dans le sang pour obtenir un effet thérapeutique. On a une bonne marge entre quelqu'un qui va avoir la dose qui est bonne pour sa maladie, et puis on a testé très au-dessus, et on sait que tout ça, c'est on peut le donner sans risque. Donc, à un moment, c'est ce qu'on appelle la marge thérapeutique. À ce moment-là, on arrête et on passe à ce qu'on appelle les phases 2, qui sont les phases où on teste vraiment l'efficacité chez des gens malades, chez des gens qui ont la maladie. Et puis là, donc généralement, c'est des études qui sont versus placebo,
Et puis souvent, on teste plusieurs doses parce que ce qu'on a vu chez le volontaire sain, ça nous permet de savoir qu'on peut aller jusqu'à un certain palier, mais on essaie aussi d'avoir la meilleure efficacité. Dans les phases 1, on ne sait pas si c'est efficace, c'est juste que c'est safe et qu'on a une concentration thérapeutique. Et là, on va regarder vraiment sur la maladie. Et une fois qu'on a trouvé la bonne dose, on passe à ce qu'on appelle les phases 3. Et les phases 3, là, c'est vraiment des études très larges, où les critères d'inclusion vont être beaucoup plus larges et plus représentatifs de la population générale. Parce qu'à un moment, dans les phases 2, on prend des gens qui sont des patients qui ont une caractérisation très précise de la maladie pour qu'on n'ait aucun risque d'interpréter les résultats qui seraient biaisés par des facteurs concomitants qu'on ne maîtrise pas. Donc, c'est plus petites études et plus précises. La phase 3, il faut vraiment se rapprocher de la vraie vie. Donc là, on élargit et on confirme. Et souvent, on confirme et on compare avec des choses qui existent. Si les choses qui existent existent, ce qui n'est pas toujours le cas, ou si elles ne sont pas toxiques, ce qui est parfois le cas aussi. Je prends l'exemple très récent d'une étude qu'on est en train de faire sur le fexinidazole dans Tibi-Rhodésienne C, donc dans la forme atroce, la forme la plus sévère de la maladie du sommeil. Le traitement de référence, c'est le mélarsoprol. Bah, on n'a pas fait d'études comparatives versus le mélarsoprol. C'est un produit qui est très efficace, oui, mais enfin, il est aussi très toxique. Donc, on a désigné, on a construit l'étude de telle sorte qu'on puisse déterminer si fexinidazole marche sans avoir à se comparer dans l'étude au mélarsoprol. Parce qu'il faut aussi à chaque fois penser aux bénéfices-risques, ce qui est une autre des composantes finalement essentielles de ce qu'on fait. À la fin, on veut un bénéfice. Donc, il faut même dans les essais cliniques penser aux bénéfices-risques de tout ce qu'on fait. Quand on a fini la phase 3 et qu'on a démontré que le médicament marchait, on va passer à la phase réglementaire. Mais là, je voudrais aussi faire un point, parce que démontrer qu'un médicament marche, ça veut dire qu'on est capable d'avoir identifié quel va être le critère qui permet de dire ça marche ou ça marche pas. Et ce n'est pas toujours simple. Parce que, on n'a pas toujours ça, en particulier pour les maladies négligées ou les maladies qui ne sont pas prioritaires pour l'industrie pharmaceutique. Il n'y a pas forcément des guidelines, des consensus en fait, sur ce qui est juste pour dire que ça marche ou ce qui ne l'est pas. Ces questions-là, elles sont posées pour chaque maladie. Pour chaque maladie, il faut d'abord, et il faut que la communauté scientifique se mette d'accord. Et ce n'est pas toujours le cas, et parfois, il n'y a même pas de débat, et donc ça se fait un peu comme ça. Ce qui n'est pas très bon, parce que il faut quand même qu'on ait une reconnaissance externe, une validité externe de ce qu'on fait. Donc ça aussi, c'est un énorme travail. Et je parle de ça maintenant parce qu'on est arrivé à la fin du développement, on va aux agences réglementaires. Et en réalité, c'est trop tard si on se pose la question à ce moment-là. Donc ce qui est important, c'est aussi de travailler en partenariat presque avec les agences réglementaires, surtout pour des nouvelles maladies, pour au fur et à mesure tester que pour elles, ce qu'on fait, ça a du sens. Et en général, elles amènent des experts scientifiques et médicaux, voire parfois des partenaires de l'OMS, pour nous guider sur la valeur de ce qu'on fait. Parce qu'un des pièges du développement, c'est quand même d'avoir des résultats qui seront statistiquement significatifs, mais cliniquement vides de sens. Ça a été, si vous voulez, ma venue dans le groupe Sanofi, où il y avait à l'époque, et je dis pourquoi à l'époque, parce que tout ça dépend, bien entendu, du management au plus haut niveau d'une entreprise qui dit, bon, ben, là, à l'époque, il y avait un président, ça n'a pas toujours été le cas par la suite, mais il y avait un président, M. Dehaene, qui a dit, ouais, effectivement, j'ai une taille aujourd'hui, on ne peut pas laisser. Et puis, c'est aussi l'intérêt des industriels en disant, ben voilà, je veux dire, s'il y a 70% de la population mondiale qui n'a pas accès aux médicaments et je ne travaille que dans les pays développés avec un fort pouvoir d'achat, si je veux élargir mon marché, il faut que je sois présent dans les pays du Sud, mais il faut modifier ce qu'on appelle le modèle économique, la modification du modèle économique. Alors moi, je parlais juste de l'expérience que j'ai pu avoir et que j'ai pu mener à cette époque parce que j'en avais les moyens. Ben, c'était de dire, ben voilà, nous, Sanofi à l'époque, a un savoir-faire dans le domaine du paludisme. DNDi s'intéressait à ça. Et donc, il y a une rencontre entre DNDi et le département accès aux médicaments à l'époque chez Sanofi en disant, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, les recommandations de l'OMS étaient de dire ben, il faut des ACT, c'est-à-dire des médicaments contre le paludisme où vous avez à la fois un dérivé de l'artémisinine et un médicament, une molécule connue pour ses propriétés.
DNDi dit, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'artésunat et la modiakine. Sanofi avait la modiakine et ils avaient aussi l'artésunat. Il y avait un problème de faire des combinaisons fixes. DNDi avait trouvé le moyen de faire ces combinaisons fixes. Et on a dit, ben voilà, on va essayer de se marier. Alors, comment on va se marier? DNDi dit, nous, on est prêt à travailler parce qu'on a besoin d'un industriel. Nous, on sait faire de la recherche, on sait faire du développement, mais on ne sait pas fabriquer, on ne sait pas monter un dossier d'enregistrement pour les autorités sanitaires internationales. Mais DNDi dit, voilà, nous, on est prêt à travailler avec vous à trois conditions. C'était très important. La première condition, c'est de dire, OK, on va faire un développement en commun. La deuxième, il faut que ce médicament, donc contre le paludisme, pour un traitement de 3 jours sur les crises de paludisme, il soit autour de 1 euro les 3 jours de traitement pour l'adulte et 50 centimes chez les enfants. Et le troisième, vous ne prenez aucune propriété intellectuelle, ce médicament. Ça veut dire que s'il est enregistré, ben les génériqueurs indiens ou autres pourraient le fabriquer pour une distribution beaucoup plus massive. Alors bon, ben Sanofi regarde, et est-ce qu'on peut sortir ce médicament? Bon. Il y a un accord qui est signé sur ce point. Développement commun pendant 2 ans entre DNDi et Sanofi, et ils font effectivement ce médicament, l'AZAC, hein, artésunat amodiakine. Il est enregistré et préqualifié par l'OMS dans les différents pays. Et puis là, Sanofi profite de son réseau, et il est distribué, financé en partie par le Fonds mondial, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc, ce produit, il est sur plusieurs années, ça a été 500 millions de traitements, vous voyez, de 3 jours de crise, au prix, effectivement, de moins de 1 euro, et qui a même diminué, parce qu'en fonction de la productivité. Et donc, ça a été, si vous voulez, ça a montré qu'un partenariat était possible entre une structure comme DNDi et l'industrie pharmaceutique sur le paludisme. À partir de ce succès, oui, parce que ça a été un succès de ce partenariat, on a dit, ben, est-ce qu'on peut continuer sur d'autres maladies? Et je sais qu'à la fois MSF et DNDi s'intéressaient à la maladie du sommeil, puisque malheureusement, c'est une maladie qui est mortelle et qui était loin d'être complètement éliminée, en particulier du continent africain, dans des pays comme la République démocratique du Congo. Je rappelle que le traitement antérieur de la maladie du sommeil, c'était des médicaments, certains à base d'arsenic. Il y avait des médicaments relativement toxiques. La plupart étaient injectables. Et quand on sait que des problèmes de logistique en Afrique étaient extrêmement importants. Et puis, il y avait une molécule qui s'appelait le fexinidazole qui montrait, en tous les cas, in vitro, que ça pouvait marcher et que c'était très actif à la fois sur le stade 1 lymphatico-sanguine de la maladie du sommeil, mais également sur la phase neurologique de la maladie du sommeil. DNDi décide de financer le développement clinique grâce, si vous voulez, à la présence à la fois d'MSF et des équipes de DNDi sur le terrain. Et donc, on développe ce médicament et Sanofi, à charge de Sanofi, de fabriquer ce médicament dans les normes de qualité, également de préparer un dossier d'enregistrement. Ça a été un succès, ce médicament existe par voie orale, il a modifié complètement le profil de traitement et peut-être pour arriver à une élimination de la maladie du sommeil. Le secteur et l'industrie du médicament ont beaucoup évolué depuis 25 ans. Pour faire simple, on est passé de firmes intégrées verticalement, c'est-à-dire de firmes qui faisaient de la recherche, de la production, de la distribution, de l'aval, de la vente, donc de l'amont à l'aval. Ces grandes firmes qui étaient d'ailleurs le plus souvent des firmes pharmacochimiques, à l'image de Roon Poulenc par exemple, eh bien on est progressivement passé à des entreprises qui sont uniquement des entreprises pharmaceutiques. Aujourd'hui, on a des industries qui sont des industries spécialisées sur la pharmacie et même spécialisées sur certaines pathologies. Et le plus souvent, ce sont les pathologies les plus rentables. Par exemple, Sanofi a récemment annoncé qu'ils arrêtaient leur recherche sur un certain nombre de maladies, notamment le diabète, pour se focaliser sur l'oncologie ou les maladies du système nerveux central. Et puis la deuxième chose, la deuxième grande évolution, c'est que les firmes externalisent de plus en plus. Alors, elles externalisent la R&D dans des startups, hein, à l'image de BioNTech ou de Moderna. Et puis, de plus en plus aussi, elles font faire les médicaments par des façonniers, c'est-à-dire qu'elles ne fabriquent plus finalement les médicaments. Et
Et elle continue, par contre, le plus souvent, à organiser les phases de test. Et puis, sans doute, mais avec aussi certaines externalisations, les dossiers d'autorisation de mise sur le marché. Et dans la pharma, ce qui est assez curieux, a priori, c'est qu'elles ne font pas non plus la recherche, de moins en moins, parce que les coûts et la complexité des recherches en biotech sont tels qu'elles préfèrent, et leurs actionnaires préfèrent, qu'elles ne supportent pas la totalité du risque de cette recherche. Les principaux actionnaires, les plus gros actionnaires des pharma, ce sont les sociétés d'investissement, c'est BlackRock, c'est Vanguard, c'est des sociétés d'investissement américaines. Alors évidemment, du coup, l'enjeu de rentabilité est beaucoup plus important que dans le modèle précédent finalement, hein, parce qu'on a, vraiment une exigence des marchés financiers qui est très forte, et donc une surutilisation des brevets, une surexploitation des brevets qui restreignent encore plus l'accès au traitement que ce n'était le cas dans les années, peut-être il y a une vingtaine d'années. Oui, d'une certaine manière, sauf que ces génériqueurs, ils sont aussi la conséquence d'un renforcement des droits de propriété. C'est-à-dire que pendant des années, un certain nombre de pays du Sud, notamment l'Inde, pouvaient produire ce qu'on appelait des copies légales de traitements qui étaient vendus au Nord, sans difficulté, et que depuis les accords APICS, hein, TRIPS en anglais, les droits de propriété étant renforcés et limités, si je puis dire, étendus à 20 voire 25 ans, en contrepartie, effectivement, il y a la possibilité des génériques, mais qui pour les pays du Sud ne sont pas forcément une avancée, parce qu'avant les TRIPS, ils pouvaient produire des copies légales de traitement plus tôt qu'aujourd'hui, puisque pour être un générique, il faut être un médicament relativement ancien. Il est très difficile d'avoir une évaluation des montants. Les firmes surévaluent évidemment les coûts de R&D de manière extrêmement importante. La production est de plus en plus, comme je le disais, externalisée, hein, par des façonniers. Et donc, ces façonniers, les grosses pharma qui ensuite vont leur racheter les médicaments, hein, font pression de manière très importante sur les prix pour que la production coûte de moins en moins cher. La recherche, c'est très complexe parce que la recherche sur l'ARN messager, par exemple, elle a été faite dans des universités, dans des laboratoires publics d'université dans un premier temps, puis dans une start-up qui a été partiellement financée par le gouvernement allemand. Et donc, il faudrait pouvoir reconstituer la chaîne de ces financements et le temps passé par les chercheurs pour pouvoir reconstituer le coût de découverte de l'ARN. Et ça, malheureusement, je ne suis pas capable de le faire. Là aussi, la question est compliquée à répondre. On aurait tendance aujourd'hui à avoir une pensée un peu binaire, c'est-à-dire pas de brevets ou des brevets. Moi, j'aurais tendance à avoir peut-être une position plus mitigée. Le problème actuellement, c'est que les brevets sont utilisés de manière extrêmement lucrative. Et cette surexploitation des brevets, encore une fois, elle est à mettre en lien, à mon sens, avec la financiarisation. Alors, est-ce que les brevets sont incitatifs à la R&D ? C'est un débat qui est évidemment très actuel et qui n'est pas tranché parmi les économistes. Moi, j'aurais tendance à considérer qu'ils ne le sont pas tellement, dans la mesure où pendant des années, d'abord, il n'y a pas eu de brevets sur les molécules, et puis que les pouvoirs publics de tous les pays financent massivement l'industrie pharmaceutique. Et que donc, c'est un petit peu comme si on payait deux fois finalement nos médicaments. Le problème majeur, c'est que ce sont finalement les firmes pharmaceutiques qui choisissent le plus souvent, hein, les médicaments qu'elles vont développer, et donc les axes ou les aires thérapeutiques vers lesquelles elles vont développer des opérations de R&D. Et ça, elles le font en fonction de la rentabilité future ou estimée des médicaments ou des vaccins. Aujourd'hui, très clairement, ce qui est le plus rentable, c'est l'oncologie. Et donc, l'oncologie, donc le cancer, hein, et la recherche sur les médicaments contre le cancer, est dominante. Cette pathologie est dominante. Et évidemment, c'est au détriment d'autres pathologies. Si je reprends l'exemple que je donnais tout à l'heure sur Sanofi,
eh ben, le diabète, par exemple, qui est supposé une maladie pas suffisamment rentable pour Sanofi, est éliminé. Et puis, évidemment, aujourd'hui, on pense aussi à l'antibiothérapie, hein, puisque les grands laboratoires pharmaceutiques font très peu de recherches sur les antibiotiques, et on sait que les antibiotiques dont on dispose aujourd'hui, ben, sont de moins en moins efficaces et qu'il va falloir les renouveler. Donc, il y a, y compris dans les pays du Nord, si je puis dire, dans les pays riches, des pathologies vers lesquelles il y a moins de recherche ou pas de recherche, et ce qui est un problème en termes de santé publique. Et puis évidemment, il y a toutes les maladies non solvables, hein, les maladies principalement des pays du Sud, qui sont aussi les parents pauvres de la recherche. Pour essayer de contrebalancer ça, les autorités américaines avaient mis en place ce qu'on appelle les PRV, d'espèces d'avantages que tireraient les firmes lorsqu'elles auraient une autorisation de mise sur le marché pour une maladie soit tropicale, pour faire simple, soit pédiatrique. Et pour inciter un petit peu les laboratoires à aller vers ces deux grands secteurs qui sont encore une fois les parents pauvres, parce que j'ai oublié de citer, mais effectivement, il y a aussi la pédiatrie sur laquelle il y a relativement peu de recherche par rapport au reste. Et puis, il y a aussi des maladies féminines. Hein, on parle en ce moment beaucoup de l'endométriose, sur laquelle il y a aussi peu de recherche. Donc, ces PRV avaient, dans l'idée de la FDA et du gouvernement américain, comme objectif de réorienter la recherche, d'inciter les laboratoires à aller vers ces pathologies. Et en fait, ça a très peu fonctionné, assez mal fonctionné. Et ça a juste permis, enfin, ça a plutôt permis des adaptations pédiatriques que des maladies tropicales. C'est-à-dire que l'incitation n'était pas suffisante pour les laboratoires, et ce qui montre bien que y a des aires thérapeutiques vers lesquelles ils n'aiment pas aller. Ce qui est certain, c'est que les PDP, hein, dont font partie DNDi, mais évidemment il y en a d'autres différents, ont eu un rôle important pour ces maladies tropicales, et en particulier parce que ce qu'on appelle les flexibilités des accords APIC, hein, ces flexibilités qui auraient dû permettre aux pays du Sud d'avoir un accès favorisé au traitement en dépit du renforcement des droits de propriété, n'ont pas fonctionné, hein, n'ont pas, parce qu'elles n'ont souvent pas été acceptées par les grands laboratoires, et que donc il a fallu développer d'autres types d'action pour que ces pays aient des médicaments, d'où finalement l'arrivée de ces PDP, du DNDi ou du MMB ou d'autres. Ce n'est pas suffisant, même si leur travail est énorme et extrêmement important, ce n'est évidemment pas suffisant si on regarde les ventes de médicaments dans le monde. L'Afrique, c'est moins de 1% des ventes de médicaments, quand l'Amérique du Nord, c'est pratiquement la moitié, alors que l'Amérique du Nord ne comporte pas la moitié de la population. Donc, il y a un continent, en tout cas l'Afrique, et puis d'autres pays, évidemment, d'Asie du Sud-Est ou d'Amérique latine, qui manquent cruellement de traitement. Et pour le moment, on n'a pas trouvé la situation ou la solution qui permettrait de résoudre ça. La fixation des prix, elle n'existe évidemment que pour les médicaments remboursés, hein, dans les pays du Nord. Et les modalités de financement sont relativement diverses. De plus en plus, alors avant, on s'était plutôt basé sur le coût de production. C'était du cost-based. Aujourd'hui, c'est plutôt basé sur l'efficacité. C'est-à-dire que ce que les organismes de remboursement cherchent à rémunérer, c'est l'innovation. Et du coup, il y a beaucoup de pays qui fixent le prix en fonction de ce qu'on pourrait appeler en France l'amélioration du service médical rendu. Combien ce médicament apporte pour les patients par rapport aux médicaments existants. Et puis aussi, se développe de plus en plus ce qu'on appelle l'évaluation médico-économique, c'est-à-dire qu'on va regarder l'efficacité, mais on va regarder l'efficacité aussi en termes de coût. C'est-à-dire, est-ce que ce supplément d'efficacité, ce bénéfice pour le patient, il est supportable d'un point de vue économique? On va mettre les deux en lien, notamment c'est les Anglais qui font ça, mais en France, on s'y met aussi. Mais ensuite, assez rapidement, les prix sont révisés
en fonction des phases de pharmacovigilance, qu'est-ce qui s'est passé, et puis des quantités vendues. Ce qu'on appelle le délinkage, c'est complètement délié du coût de R&D, et c'est vraiment lié à ce que vous dites, à l'amélioration de, alors, soit de la durée de vie, soit de la qualité de vie du patient. Mais c'est décorrélé, et là où, alors pourquoi pas, hein, mais c'est excessif parce que c'est décorrélé d'autres soins qui pourraient aussi améliorer la qualité de vie du patient. Mais ça renvoie finalement à l'exemple, le meilleur exemple qu'on peut donner, c'est le sofosbuvir, le médicament qui soigne l'hépatite C, puisque quand Gilead a mis le médicament sur le marché, ils ont très clairement dit, OK, c'est très cher, mais c'est moins cher que si vous aviez un patient qui a une hépatite C, qu'il faut passer en dialyse tous les X semaines ou mois. Et donc, au total, vous y gagnez. Donc, c'est 56 000 euros, le traitement. Et ce n'est pas du tout une question de ça nous a coûté, c'est tellement cher à produire ou ça a été tellement cher à concevoir. De toute façon, ce n'est pas eux qui l'ont conçu. Et donc, de plus en plus, on va vers ça. Et c'est la même chose. Pfizer, quand ils sont arrivés avec les autorités américaines, c'est une source américaine, hein, ils voulaient que le vaccin soit de 100 dollars la dose. C'est-à-dire, ça faisait une vaccination à 200 dollars. Parce qu'évidemment, le coût social de la pandémie est tel qu'ils pouvaient fixer un prix extrêmement élevé. Juste pour résumer brièvement, le débat lié à la propriété intellectuelle et l'accès aux médicaments, il a vraiment émergé avec la création de l'OMC, qui en fait a un peu globalisé les règles de propriété intellectuelle, dans le sens où auparavant, chaque pays était libre de décider des règles en fonction de ses propres intérêts. Il n'y avait pas de règles internationales. Donc ça a quand même été le changement majeur à partir de 1995. Donc. Après, il y avait les traités de l'OMC prévoyaient des périodes de transition. Donc la mise en œuvre en fait, de ces nouvelles règles globalisées de l'OMC s'est vraiment étalée sur le temps jusqu'après les années 2000, mais essentiellement, la nouvelle règle, l'obligation majeure créée par l'accord TRIPS, ADPIC en français, c'était d'obliger tous les États membres de l'OMC à prévoir des brevets pour les produits pharmaceutiques d'une durée minimum de 20 ans à partir de la date du dépôt de brevet. Donc ça a été le changement majeur. Parce qu'auparavant, des pays comme l'Inde, en fait, la plupart des pays en développement avec des capacités de production ne délivraient pas ces brevets. Ils délivraient seulement des brevets sur des procédés, mais le produit lui-même n'était pas protégé. Et donc, en fait, les compagnies locales, en général, inventaient de nouveaux procédés pour générer des génériques du médicament ou d'un autre produit de santé. Alors qu'à partir du moment où le produit est protégé par un brevet, ça, c'est l'obstacle majeur à n'importe quelle production dans un pays où le brevet est déposé. En général, les compagnies vont, ceux qui inventent un médicament vont plutôt chercher à déposer un brevet dans des endroits stratégiques où ils veulent bloquer la production. Et c'est ce qui explique que dans un certain nombre de pays à bas revenus, où il n'y a pas de capacité de production en général, les compagnies ne vont pas déposer de brevet dans ces pays. Un point important quand même à garder en tête, c'est que l'OMC a quand même, lors des négociations de Doha, a étendu une exception pour les pays à bas revenus, les LDC, Least Developed Countries, les PMA en français, qui eux n'ont pas l'obligation de délivrer des brevets pharmaceutiques, ou de, si un brevet pharmaceutique avait été délivré, de faire respecter ses droits tant qu'ils ont le statut de LDC, de PMA. Donc, en fait, ces pays-là, effectivement, ont un statut un peu exceptionnel et c'est ce qui permet notamment au Bangladesh, depuis quelques années, de se singulariser
le Bangladesh ayant une industrie pharmaceutique assez intéressante, enfin assez développée, générique, mais n'étant pas tenu d'appliquer ces règles internationales sur les brevets aujourd'hui. De facto, et c'est de manière progressive, mais ça constitue du coup un obstacle pour tous les nouveaux traitements qui ont été inventés depuis 1995, ou en tout cas depuis les années 2000 avec la mise en œuvre progressive de ces règles. Parce qu'en fait, tout nouveau traitement est susceptible aujourd'hui d'être protégé par un brevet dans des pays où il y aurait une capacité de production générique. Après, il existe, vous avez dû entendre parler de la déclaration de Doha sur l'accord EPIC et la santé publique, qui a confirmé le droit des pays d'avoir recours à des licences obligatoires en cas d'usage abusif des brevets. Et ça, c'est un petit peu plus qu'un peu, c'est la mesure qui est permise pour tous les pays et que tous les pays ont en général intégré dans leur législation pour protéger l'intérêt public, en fait, pour reprendre les droits et protéger l'intérêt public. Malheureusement, on a vu que la mise en œuvre n'était pas forcément évidente parce qu'elle donne lieu à des pressions d'ordre géopolitique. Enfin, des négociations diverses entre les États, même si ça reste un droit absolument reconnu au niveau international. Il y a eu une évolution importante sur les 10 dernières années, c'est la création du Medicine Patent Pool à l'initiative d'Unitaid. Il est financé par Unitaid. Et ça a quand même généré une évolution importante, c'est que contrairement à ce qui se passait dans les années 90 ou 2000, cette institution est donc chargée de négocier des licences pour favoriser la mise à disposition de génériques dans les pays dans les pays en développement. La liste des pays n'est pas nécessairement circonscrite, il y a seulement les pays à revenus élevés qui sont exclus. Et au fil des années, le Medicine Patent Pool a négocié des licences couvrant la très grande majorité des pays en développement. Bien sûr, les marchés principaux et les plus intéressants sont en général exclus, tels que la Chine, le Brésil, enfin les BRICS essentiellement, des pays très émergents qui restent attractifs pour les pharma. Mais par contre, l'intégralité des pays à faible revenu et même des pays à revenu intermédiaire inférieur sont en général inclus dans ces licences. Et ce qui implique que non seulement pour tous les médicaments qui ont fait l'objet de ces licences concernant le VIH, il y a aujourd'hui une production générique en cours. Donc, il y a une source générique, voire même plusieurs, parce qu'en général, les licences sont prises par plusieurs génériqueurs. Et donc, ces génériqueurs ont la possibilité aujourd'hui d'exporter ces médicaments génériques dans tous les besoins, dans tous les pays en développement qui en ont besoin. Donc, je maintiens qu'il ne faut quand même pas oublier que certains pays à moyen revenu restent exclus de ces licences, c'est ce qui fait souvent l'objet de débats. Et puis, par ailleurs, le mandat du MPP a aujourd'hui été étendu, par la suite été étendu à la tuberculose, à l'hépatite C, avec la négociation d'un certain nombre de licences aujourd'hui également, qui commencent à avoir un impact, et récemment au Covid. Donc oui, le MPP est aujourd'hui une institution qui a pris une place importante dans le paysage de la santé mondiale et qui commence à devenir un acteur incontournable. Ça devient difficile pour un labo aujourd'hui de complètement ignorer le MPP et donc de ne pas négocier des licences au moins pour les pays à faible revenu. Mais ça reste une institution qui négocie sur une base totalement volontaire et qui manque un peu de levier au cours des négociations. Et finalement, les laboratoires, mis à part la pression en termes d'image du fait de refuser de négocier avec le MPP, ils n'ont pas vraiment d'autres pressions finalement pour accéder à ces licences. Donc certains pays restent exclus et toutes les maladies ne sont pas couvertes, par exemple le cancer, les vaccins. Pour l'instant, le mandat du MPP est limité et circonscrit aux médicaments et au VIH, tuberculose, hépatite C, hépatite et Covid.
C'est rarissime qu'un produit soit protégé uniquement par un brevet. Pour prendre l'exemple du médicament, le laboratoire va commencer par déposer un brevet sur la molécule. Sur la molécule elle-même, ils revendiquent l'invention de la molécule en décrivant la structure. Mais après, quelques années après, ils vont déposer un brevet qui va couvrir potentiellement l'usage de la molécule pour le traitement de telle ou telle maladie, ainsi qu'un autre brevet qui va couvrir une formulation particulière de la molécule, une forme chimique particulière de la molécule qui serait plus, qui aurait moins d'effets secondaires ou qui serait mieux bioavailable, ou un procédé de fabrication particulier. Donc, en fait, c'est à chaque fois, un produit de santé va être protégé par différents brevets qui ont chacun une durée de vie de 20 ans. Et en fonction du caractère essentiel de ces brevets, ça va créer un obstacle supplémentaire ou pas. Si le brevet absolument essentiel que personne ne peut contourner, c'est le brevet qui protège, dans le cadre d'un médicament, la molécule. Et quand par hasard, la formulation est essentielle ou le procédé de fabrication est essentiel, alors là, on arrive à une protection par brevet qui peut parfois durer jusqu'à 40 ans. C'est ce qu'on avait vu notamment pour l'opinavir et ritonavir, ou le fait qu'Abbott avait inventé une formulation qui n'était pas... sensible à la chaleur et qui donc était beaucoup plus facile à utiliser en comprimé par rapport à des gélules auparavant dans les pays tropicaux. Cette formulation-là, elle était majeure et essentielle et elle a quasiment rajouté 20 ans de vie au brevet dont Abbott avait déjà profité concernant juste la molécule elle-même, parce que cette formulation, elle était critique. La première démarche qui est en fait celle du MPP et qui a été celle d'MSF dans les premières années de la campagne d'accès, c'est d'entrer en discussion avec les titulaires des brevets et de discuter avec eux sur d'abord la possibilité de baisser les prix, parce qu'en fait le brevet permet à un laboratoire de fixer un prix élevé, mais il n'est pas obligé. Sous la pression, il peut tout à fait décider qu'en fait il va adapter ses prix à la capacité au pouvoir d'achat des différents pays et patients. Le laboratoire, de la même manière, a la possibilité de donner ou pas des licences. Donc là encore, c'est ce que fait le MPP. Et en fait, plus la pression est forte, plus les laboratoires vont être susceptibles d'entrer en matière pour négocier des licences et donc autoriser la production par des concurrents, et qui va nécessairement faire baisser les prix par l'effet de la concurrence. Et puis, les licences obligatoires, c'est un peu pas pour rien que ça s'appelle licence obligatoire, c'est l'État qui décide d'user de son pouvoir discrétionnaire pour imposer une licence finalement au titulaire du brevet pour assurer l'intérêt général. Mais un autre moyen d'influer sur ces droits de propriété intellectuelle, c'est notamment lorsque les États contribuent au financement du développement d'un produit de santé. C'est ce qu'on a vu beaucoup dans le cadre du Covid, et c'est ce qui en général se passe finalement dans la plupart du développement des produits de santé. Il y a très souvent en fait des financements publics qui contribuent au développement d'un produit, et en fait là les États qui contribuent à financer ce développement auraient tout à fait la possibilité, au cours de leur financement, d'insérer dans les accords de financement des conditions prévoyant que le produit final devrait être mis à disposition des populations qui en ont besoin. Les États, à ce moment-là, sont dans une position beaucoup plus forte, finalement, pour imposer ces conditions à l'entité qui finance et qui va développer. Et après, ces conditions, comme il s'agit de contrats, elles peuvent tout à fait être transmises dans des contrats ultérieurs, de manière à influer la mise à disposition en aval de la chaîne. Et c'est ce que fait des NDI aujourd'hui, ainsi que d'autres PDP, Product Development Partnership, où pareil, quand on entre en matière on rentre en négociation avec des partenaires industriels, des pharmas,
Dans la mesure où ces entités sont financées en général par des fonds publics ou de nature philanthropique, ça fait partie de la négociation, c'est-à-dire qu'on investit on est prêt à collaborer pour le développement d'un médicament, mais à certaines conditions d'accès qui doivent être assurées. Et après, c'est réglé contractuellement, donc ça devient nécessairement une obligation pour le labo. Les investissements et les risques sont réels, même s'ils sont en général assez amplifiés, mais les risques liés au développement sont très réels. Des organisations comme DNDi les voient tous les jours. Le fait que des innovations médicales ne vont pas progresser et puis qu'à un moment un composé potentiellement intéressant va se révéler toxique ou ne fonctionnant pas. Ce qui manque dans le débat, en fait, c'est que les labos sont les seuls à déterminer le niveau de ces coûts et donc qu'est-ce qui est nécessaire pour les couvrir. Et en fait, l'élément de la transparence est fondamental et est réellement un problème dans le débat aujourd'hui parce que tout le monde est d'accord sur le fait que les coûts nécessaires au développement de médicaments utiles devraient pouvoir être couverts par la communauté, mais pour l'instant, la seule source d'information pour ces coûts, c'est les labos eux-mêmes. Et il y a une grosse, grosse résistance à être plus transparent sur ces coûts-là. Et quand on parle de transparent, on parle de transparence, on ne parle même pas nécessairement du fait que ces coûts puissent être postés sur le web, mais même les États eux-mêmes, ces coûts-là ne sont même pas partagés de manière confidentielle avec des entités étatiques, qui eux-mêmes doivent par contre couvrir le remboursement. Quand on parle de propriété intellectuelle, je dois préciser qu'en fait, je parlais essentiellement de brevets. Il y a plein d'autres droits de propriété intellectuelle, et je vais y venir. Pour ce qui est des brevets, je dirais que là où leur impact est le plus important, c'est justement dans le domaine du médicament, de la majorité des médicaments, mais aussi, je pense, des diagnostics où il n'y a pas nécessairement, où le, il n'y a pas be C'est des produits qui ne demandent pas forcément un savoir-faire et une forme de secret industriel très élevé, à la différence des vaccins. C'est le gros débat qu'il y a eu sur les vaccins pour le Covid. Il y a un certain nombre de laboratoires génériques qui, en fait, savent déjà comment copier un médicament. Ils ont juste besoin d'être certains qu'ils ne vont pas se retrouver devant des tribunaux s'ils le font. Pour ce qui est d'autres produits un peu plus, dont la technologie est beaucoup plus élaborée, comme les vaccins ou certains produits biologiques, là, ça pose un autre problème, puisqu'en fait, il y a une question de savoir-faire qui doit être aussi transférée. Et du coup, ben, c'est ce qui a fait l'objet de beaucoup de discussions dans le cadre du TRIPS Waiver, c'est quel sera l'impact d'un waiver pour des technologies qui, en fait, demandent autre chose que juste une levée des droits. Parce qu'à un moment, le savoir-faire doit quand même être transféré. C'est vrai que quand il y a nécessité d'un transfert de savoir-faire, dans ces cas-là, s'il y a une collaboration entre les deux entreprises, le transfert se fait beaucoup plus facilement, puisqu'en fait, c'est un transfert de savoir, de connaissances. C'est une forme d'éducation, finalement. Donc, il y a aujourd'hui des discussions sur la question de savoir à quel point on pourrait obliger légalement un tel transfert. Je pense que oui, dans le cas d'une pandémie mondiale, l'idée de lever les doigts temporairement pour toutes les technologies qui pourraient aider dans la lutte contre la pandémie, l'effet direct, c'est que ça veut dire que toute entreprise, même s'il y a la question du savoir-faire, ça veut dire que toute entreprise qui aurait le savoir-faire de développer telle ou telle technologie utile dans la lutte, pourrait immédiatement se mettre à développer cette technologie, à la produire et à la distribuer sans avoir de crainte d'être poursuivi en justice. Après, restera toujours le problème des technologies un peu plus élaborées qui là demanderont un transfert de savoir-faire. Et concernant le fait de savoir si c'est une atteinte trop forte aux droits de propriété intellectuelle, encore une fois, si on parle juste
de lever ses droits sur un temps donné et qu'une fois que une fois que la pandémie est maîtrisée, à ce moment-là, ben, les droits reprennent. Et ça veut dire qu'en fait, les entreprises qui ont pu commencer à produire sous forme générique, pour utiliser un mot que tout le monde comprend, dans ces cas-là, en fait, ces entreprises devraient payer des droits aux titulaires des brevets. La notion de bien public mondial, elle est assez galvanisée et elle n'a pas une signification finalement très précise. Alors que quand on parle de bien commun, en fait, l'idée, c'est qu'il y a une volonté de toutes les parties prenantes de mettre à disposition ces biens de manière équitable. Et ça n'implique pas nécessairement forcément une levée des droits, en fait. On pourrait encore une fois tout à fait imaginer que les laboratoires, sous la contrainte ou convaincus par l'opinion publique ou certains gouvernements, décident librement d'ouvrir leurs droits et de partager pour le bien de la communauté internationale. Certains labos ont d'ailleurs eu des démarches assez intéressantes au début de la pandémie. Moderna avait par exemple dit qu'il poursuivrait pas ceux qui seraient tentés de reproduire leur vaccin. Ce genre de démarche, quand même, a un intérêt. Pharmaceutical development is really the process by which we take a molecule and we transform it into a new drug product of suitable quality for market authorization. You'll often hear it referred to by the abbreviation CMC, which stands for Chemistry, Manufacturing and Controls. And it's all about the design, development, scale up of manufacturing processes for both active ingredients and drug products, as well as developing quality control tests and, very importantly, doing also stability studies. And it involves also quite a lot of manufacturing at all stages of development, from the preclinical stages all the way through to registration and obviously then the life cycle of the drug itself. And of course, many people will have heard that that is done to a particular standard called Good Manufacturing Practice, or GMP, which you'll hear referred to a lot. And there are clearly some differences between whether it's a new drug that's never been registered before, as compared to maybe reformulating an existing or an older drug that's been on the market for many years. If we can just refer to the slide, this is just a very high altitude view of the stages of pharmaceutical development, and just moving from left to right, at the top we have the classical drug development phases: drug discovery, preclinical, early clinical research and leading to proof of concept. Then we have clinical development, which traditionally has been phase 2b or phase 3 clinical trials. We have approval and launch. And then we have manufacturing and marketing, or perhaps in our world, we call marketing access. We manufacture active ingredients for non-clinical and clinical needs at all stages. But what's important to know is that as we move from left to right, the scale maybe increases from milligrams on the left-hand side, maybe to metric tons in the commercial phase. And this is a very multidisciplinary exercise, but the objective of process development is to design processes which are safe, environmentally friendly, where you have freedom to operate. For example, there's no patents blocking you. And obviously the processes have to be high yielding and have to have good levels of throughput. And finally, the active ingredient also has to be of suitable quality. For example, you have to control impurities to very low levels. And perhaps this is some of the work that happens which is not apparent to people when they see drug substance development. On the drug product side, we start with pre-formulation, which is characterization of the active ingredient properties that affect either the manufacturing or the bioperformance when dosed to humans. And we begin a long process of formulation development.
In the early stage studies, we want very simple, easy to administer formulations that can cover a wide dose range. But by the time we get to proof of concept and clinical development and registration, we really need to have locked down on the final commercial product to avoid having to do potentially bioequivalent studies for registration or to be repeating stability studies with the final formulation. And stability is a big component of a registration dossier. Regulators typically expect 12-month stability data on three batches of the commercial product. Of course, even at approval and launch, the development doesn't stop. After registration, development work typically continues, for example, further scale-ups or process optimization or even the introduction of new manufacturing sites. I would like to mention one thing, which is the reformulation of existing drugs. Of course, the ability to do this depends to a large extent on the dose and also the physical characteristics of the active ingredient. And some of the latter cannot really be modified easily or indeed at all. And this can be often very challenging. For example, if you want to switch the route of administration, say from injectable to oral, there may be some very good reasons why a drug is injectable. Maybe it's not stable in the stomach, or maybe it's metabolized very quickly. Or you might want to switch technology, and the classic one is moving from an immediate to a modified release dosage form. And again, there may be some parameters of the active ingredient which prevent this or make this very challenging. For example, the active ingredient might have a very short half-life. In other words, the body clears it and modified release really doesn't help the duration of action. Or it might just simply be too high a dose for the technology that you wish to use. I'd like to refer to a quotation which is often used at this point, which is you cannot inspect quality into a product by a person called Harold Dodge. And this has led to this concept of quality by design, where quality and controls are built into every stage of the manufacturing process. And historically in industry, the focus has been on reproducibility, perhaps demonstrating that three consecutive batches have consistent quality. But this is now changing in industry and in regulations more towards demonstrating processes are robust and also that you're able to continuously monitor the processes using some new technologies to show in real time that quality is being achieved. Now, one of the major objectives of development is to design and develop these robust manufacturing processes to get to delivery of products with consistent quality. One of the most important things to start with is developing a quality target product profile, which contains a number of ideal and minimally acceptable product characteristics. And this is to help us understand which material attributes and which process parameters are critical to achieving the quality of the final product. And then what scientists and engineers do is they do some quality risk assessments to understand the different process variables and to define what needs to be controlled in the process. When this is established, normally then the process is validated to demonstrate that in fact the development work has been successful. There are two other things to think about in quality. One is good manufacturing practices, and this is a system to ensure materials, facilities, equipment, people, environment, and the quality controls are qualified to manufacture the product. And the second thing is actually good distribution practice, which I imagine is very important also for MSF. And this is really saying that quality doesn't stop at the factory gate, but actually you need to maintain quality up to the final pharmacy or the clinic. And so for example, this is about assuring proper storage and distribution. For example, in many of the countries we work in that are hot and humid climates, it's about avoiding temperature excursions. Also, we know that there is a big problem in the world with falsified medicines, substandard pharmaceutical products, etc. And in fact, these can be introduced at any stage of the
supply chain, even some of the ingredients that can go into making drug products can at times be falsified or substandard. So also part of good distribution practices is to make sure that nobody interferes or tampers with the products on their journey between the factory gate and the final destination. One relies on chemical reactions to produce the active ingredient, whereas the other one uses biological production systems, and typically these are, for example, immortalized mammalian cells. Now, each chemical manufacturing process is unique because the structure of each new chemical entity is unique, whereas biological medicines, for example, monoclonal antibodies, have very similar structures and therefore follow a very standard process. This is typically fermentation, followed by purification, inactivation of viruses, and then fill and finish. Now, the big difference between the two is that biologics are very complex and need lots of analytical techniques to understand their structure, their impurities, and their pharmacological activity. Biologics are also often temperature sensitive. They are, after all, generally speaking, proteins, and often you need to formulate them carefully, perhaps using freeze drying. And in many cases, they also need cold chain distribution. They are typically more expensive to produce than chemical medicines per kilogram. Maybe the lowest cost achievable is maybe a factor of maybe 5 or 10 times more. But balancing that out a little bit is that the doses of these tend to be lower because monoclonal antibodies in particular are very selective. They typically have long half-lives and duration of action. So maybe you could have an injection every 2 weeks or once a month instead of daily dosing. I should also point out one of the cost drivers is they're limited to the injectable route of administration. So obviously they have to be sterile products, and that also makes the manufacturing a little bit more expensive than oral products. There's been a few trends over the last few decades. Firstly, there's been some positive trends, particularly on things like international harmonization of technical requirements by ICH, which helps us market drugs globally. In fact, ICH has been going since the 1990s. And there's more harmonization to come. And an important development is the African Medicines Agency Treaty, which was signed last year. So hopefully that will make registration a lot more facile in Africa. One of my big challenges at DNDi is the low volumes and lack of economies of scale for neglected tropical disease medicines, and even more so for pediatric medicines. If I take sleeping sickness or HAP, for example, each year the official case numbers are less than 1,000. And this is an ultra low volume by industry standards. And so for our HAP medicines, the general problem has been finding manufacturers who have the small scale facilities and are actually motivated by such volumes. Some of the other trends we're seeing are introduction of new technologies. Continuous manufacturing or flow chemistry has come along, which is actually very good and economical for low volume drugs. We've also seen a trend towards the formulation of low solubility drugs. These are increasingly now being discovered and coming into development. And of course, low solubility equates to low bioavailability. So we have to develop more complex formulations to deal with that. And there's some interesting things coming along around long-acting formulation technologies as well. But I should just give a note of warning here about retrofitting these to old drugs. Often the doses of old drugs are too high, or they weren't designed for this particular type of technology. And one of the challenges with new technologies is that the regulators are also learning about them. And so the regulatory pathway is not 100% clear in the early days. One
trend that I think impacts me a lot is the industry concentration. Industry's not only gone through lots of merger and acquisition, but it's now focusing on, shall we say, more lucrative therapeutic areas and a general move away from infectious diseases. So not only does it mean that finding partners becomes more difficult, it also means that economics is playing a big role here. And actually, one of the huge challenges is the affordability of quality assured medicines for us. So first of all, I mentioned the complexity of molecules is generally increasing, and complexity comes with it more manufacturing costs. There is some good competition amongst generic companies, but they often work on a high volume, low margin economic model. And obviously, for some of the neglected tropical diseases, the volumes are very low. There are some generic companies, I can think of three, that are now trying to differentiate themselves by applying new technologies. But of course, in doing so, one of their goals is to charge a premium price for the medicine as well. There are some general inflationary pressures around at the moment, as you're probably well aware, energy prices, raw materials, labour costs, and of course, the cost of regulation. Now, one of the ways that DNDi is trying to some extent to address this and motivate industrial manufacturers is, of course, our model, which takes the R&D process and de-risks it for the future manufacturers and lowers their R&D cost. So it makes the return on investment calculation more favorable, and also by making sure that we have sustainable manufacturing agreements. So one of the principles DNDi works with is no profit, no loss in manufacturing, and also allowing manufacturers to make small margins to make the production sustainable, because we don't believe that donation is necessarily or large subsidy is a sustainable model. But there's still much work to do in this area. Several people do not fully appreciate the role of regulators in the promotion of the health and well-being of populations. But regulators have a very important role, and you know, often a very difficult one, to make decisions on products that people can use for their health and well-being. Including food, medicines broadly, which also includes vaccines and non-biologicals and medical devices. So often I get the question, so what exactly do regulators do? Well, you know, put simply, regulators ensure that any product which is used by a population is both effective and safe, and that its manufacture also meets, you know, the standards of quality accepted internationally. And then apart from that, they also follow up on this product, and they ensure that throughout its use, or what we often refer to as its life cycle, that it is monitored for its safety and effectiveness. Among other things, they also look out for any risks that they may have missed when the product was being developed, linked to the use of the product. And they ensure that this risk is properly managed by clinicians and users of the product. And where there is a need to review the work that they did previously in approving the product, they'll do that. They also must continue to work with the manufacturer, I mean, often to make sure that the facilities which produced the product continue to function in meeting the good manufacturing practices required, ensuring that the facilities perform consistently the same
producing the product the same way without any changes. And more importantly, for biological products such as vaccines, they have to ensure that they conduct the approval or the review and assessment of each batch of the product separately, because biologicals can change from time to time, therefore ensuring that the batches are all consistently the same and safe. I mean, these functions are really critical. And in many jurisdictions, they're also responsible for ensuring that products which have expired are taken away and destroyed safely. They also ensure that expired products or products which are substandard or imitations or which do not meet the requirements for approval do not enter, you know, the population or the country that they have a mandate for. So as you can see, regulators really have a lot of functions they need to perform. But they also have a huge responsibility because they have to rely on information supplied to them by the person who is developing this product. But in all these, the responsibility of decision making rests on their shoulders. And they operate based on a very simple principle. And the principle is basically, you look at the benefits or potential benefits of a product for the individual or population. Because for vaccines, often it's not just individual protection, it's also population protection. Then they evaluate also any risks associated with the use of this same product. Because unfortunately, there are no products which come without any risk. And then they look at the chances of the occurrence of each of these, and they make a decision based on whether it favors the utilization of the product, it's in favor of the utilization of the product by the individual or population, as opposed to whether it's unfavorable, it's unsafe to use it in the wider population. And this decision is the licensure that they would issue for a product. To ensure that individuals have a very good understanding of the nature of the product and the consequences of its use, it's important to have regulators who are well trained to understand these products to give this kind of oversight, which means you simply can't walk to a country with a small bottle of a product and say, well, I think this product would work against, let's say, COVID-19. And then say, I want to assemble people and test it in them. That would be illegal in almost every country. You'd need to develop a very good plan or an application for the use of this product for its evaluation. And then you need to submit this to a regulatory authority who would review your plan, review, ask questions about the product, the source of the product. They will ask questions about the composition of the product. They will ask questions about whether this product has been tested in non-humans and what type of species
was used, they need to understand, because it will give them some indication as to the potential, you know, safety or otherwise of the product in humans. Then they also need to understand how you intend to evaluate this product in humans. Who are the targets? Are you going to begin with a few adults and then move on to younger age groups, or are you going to give it to everyone? They need to also understand what tests you're going to use to show that performance of this product to indicate that it works. And on the basis of that, they'll grant you an approval to begin your evaluation in humans. Then, of course, they expect to be able to inspect where you are doing these studies in the populations to assure themselves that you're following exactly what you said you would do, and that the facilities that you said would be able to support the evaluation of the product, those facilities actually do exist. So they audit the site, you know, and make sure that these are in place. And then eventually, when you want this product to be used, you know, widely by everyone, you want it to be licensed, they want to know where this product will be made commercially. They want to see the facilities, or at least have an indication of what the facilities look like. Do these facilities meet the minimum standards for a facility for making products for human use? Do you have the required tests in place at the facilities to track the purity of starting materials, to monitor the active ingredient throughout the process of its manufacture through to the end, how this product should be handled, at what temperatures, particularly for vaccines, where, you know, vaccines can be held at different temperatures, storage temperatures, from freezing at ultra low temperature to regular freezing, to refrigeration, and the duration of time that the product would perform at those temperatures, which is, you know, essentially based on tests that they should carry out. So on the regulatory authorities also do have laboratories which can confirm some of the tests done by the manufacturer. And it is important to do that, obviously, not because they don't trust the manufacturer, but because sometimes you can get these differences in test results, and it would be good to reconcile them and know, you know. And all of these are important in the process of obtaining the marketing authorization. One may ask or wonder, do all countries have regulators, or is it only the regulators we've heard about in the United States, US FDA, or in the United Kingdom, MHRA, or the European Medicines Agency, or do other countries have regulators? Absolutely, the answer is yes. Every country has a regulatory authority and established by law and given the clear mandate to oversee the development, the licensure, and the oversight for the use of products, including inspecting manufacturing sites and ensuring that the product also has what we call vigilance. It means following up closely on the product throughout its use in the population until it's no longer in use. So in Africa, every country has a regulatory authority. The next question, of course, therefore, is, are they all at the same level of functionality, competence,
The answer is definitely no. While others have well-resourced and with all the capacity available to their national regulatory authorities, there are several countries which do not have that level of functionality or capacity, and so they are unable to carry out all the functions. But to a large extent also, they depend upon each other. So in countries where the national regulatory authority is not so well resourced, they have a process called regulatory reliance, where they would often rely on the work which is done by the others who may be well resourced, ones that previously mentioned, USFDA, MHRA of the United Kingdom, European Medicines Agency. They would rely on their reports, their assessments, their views on the product, but they also do their own due diligence, however limited it is, but they will take that into account. So it's also important to remember this. So some of the poor countries where resources are not readily available to the regulatory authority, when the technical capacity is also lacking, they would often rely on these. But most importantly, the World Health Organization plays a critical role, especially with respect to helping the countries which are not so well endowed with their regulatory processes. The WHO, through a World Health Assembly resolution, has been given the mandate to work with all the national regulatory authorities to support them in various ways to carry out their regulatory functions. Included in this is a frequent assessment of the capacities of all these regulatory authorities through a benchmarking process, and then to categorize them based on the level of that they perform at. And if you take the African continent, for instance, the two leading regulatory authorities are those of Ghana and Tanzania, which have reached what the WHO calls maturity level 3, which really is the capacity that is desirable for a national regulatory authority. The rest are trying to get there, and there are a number of them who are pretty close to that. Hopefully this year they will also attain maturity level 3. So it's important to bear in mind that every country does have regulatory systems in place, and these regulatory systems are very important in the evaluation, in providing of products through clinical trials, in providing access to products, whether they are fully licensed or they are experimental products to be given to a limited number of people. It's important, therefore, to contact these regulatory authorities and discuss with them wherever you intend to use a product as part of your work as a public health institution or agency. WHO doesn't replace the regulators of countries in this context, but all they do is list products which they believe have gone through a rigorous review process by regulators, which they themselves have audited. And then based on that, they would list these products with recommendations for their purchase and use by
any public health agencies that they work with. And so pre-qualification essentially is a process of listing of products. And this has also been used during the emergency process, you know, like the current COVID-19 and even for Ebola, and to some extent for polio, to ensure that, you know, some products which have been reviewed by competent regulators assembled by WHO and to the satisfaction of WHO are listed under the two processes, pre-qualification, following full licensure, or emergency use listing, as I mentioned, for products which are for emergency use in public health emergencies of international concern, pandemics and epidemics, essentially. So this process is also very, very helpful and has helped to make it possible for countries to have access very quickly to COVID-19 vaccines, which would otherwise have taken much, much longer. Le problème, ce n'est pas simplement d'avoir les médicaments, mais c'est comment ces médicaments peuvent arriver directement aux patients. Et tout le problème de la distribution pharmaceutique, elle est extrêmement importante. Il y a une responsabilité effectivement internationale des ONG, des laboratoires, mais il y a aussi une responsabilité locale. C'est la structuration des marchés pharmaceutiques dans les pays en voie de développement, à deux niveaux. Au niveau d'abord de la qualité des médicaments, comment ils peuvent évaluer, parce que il faut pas nier la réalité de la contrefaçon des médicaments, qui est un problème majeur aujourd'hui. Parce que, d'un autre côté, si vous avez de la contrefaçon des médicaments, c'est que les gens ne peuvent pas avoir accès à des médicaments de qualité. Et là-dessus, vous avez bien sûr une responsabilité locale d'évaluation de leur importation des médicaments qui arrivent sur leur terrain. D'un autre côté, c'est quel est le coût de santé publique et quel est le coût aussi au consommateur final, qui est le patient. Et donc, si les gens vont sur le trottoir acheter des médicaments, c'est que quand on leur donne des ordonnances de médicaments, ils ne peuvent pas du tout avoir accès, ils ne peuvent pas du tout les financer. Donc, toute la politique de prix et la politique de ce qu'on peut appeler les prix différenciés en fonction des ressources du pays sont des choses extrêmement importantes. C'est très important parce que quand on regarde les problèmes de contrefaçon, vous avez différentes choses dans les contrefaçons. Vous avez effectivement des médicaments, vous avez le principe actif, mais en quantité inférieure. Et donc, et on l'a vu vraiment à l'époque sur les antipaludiques. Et si vous avez des doses inférieures, vous créez des résistances. Et sur les antibiotiques, c'est encore beaucoup plus grave, parce qu'une des problématiques aussi, et qui va arriver un petit peu partout dans le monde, c'est la résistance. L'antibiorésistance, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et sur la contrefaçon des antibiotiques, si vous voulez, où il y a soit un dosage extrêmement minime et ça crée des résistances, soit il n'y a pas du tout de principe actif et vous imaginez les répercussions, soit il y a des produits toxiques. Et il y a aussi des cas de mortalité liés à la contrefaçon des médicaments. Donc ça, si vous voulez, la vérification de la qualité des médicaments, c'est un véritable défi dans les pays en voie de développement et sur l'accès aux médicaments. Et ça veut dire que les pays doivent se doter de structures de contrôle pharmaceutique avec tout ce que ça implique. Vous voyez, c'est un tout, hein. Ce n'est pas simplement l'accès aux médicaments, vérifier aussi les médicaments qui arrivent, leur distribution et la qualité de ces médicaments. Le problème de distribution, il est fondamental et les responsabilités, ceux qui peuvent faire quelque chose, elles sont multiples. Et vous avez raison, alors, il y a les distributions en ligne, mais est-ce qu'il n'y a pas de fracture numérique aussi dans ces pays? Tout le monde n'a pas accès aux outils numériques pour ces commandes de médicaments. Et là-dessus, c'est ce problème. Je répète, ce n'est pas simplement d'avoir les médicaments en quantité, mais c'est aussi, et le problème se pose également sur les vaccins, ce n'est pas simplement d'avoir des doses, mais la vaccinologie, c'est le maintien de la chaîne du froid, convaincre les gens à la vaccination, mener des campagnes de vaccination. Et c'est souvent beaucoup plus compliqué que d'avoir des médicaments et des doses de vaccins en particulier.